Allez, on part sur une petite expédition à Sonora. On va faire la patrouille de la rivière. Elle est peut-être pas trop longue. Alors, vous avez envie de passer à la télé ou tout au moins vos photos pour notre nouveau projet de documentaire. Nous avons besoin d'images de la nature locale, de lieux mystérieux et d'une photo du campement des scientifiques qui tentent de résoudre les mystères. Normal, 1900, ravin, terrain humide, 14 600 de paiement, 2 200 de prépaiement et que dalle en récompense. On va commencer d'atteindre le bout hein, de tout ce qui est récompense custom. J'ai vu qu'il m'en reste beaucoup, il n'y a plus rien. On va partir avec le petit Marshall puisque j'ai pu obtenir son truc. J'ai le moteur le plus bas, je pense que c'est bien. On va reparler vite fait, si j'y pense encore une fois, du step et puis du... Bon, elles sont vraiment flashy les couleurs. Hein. Il y a vraiment des couleurs flashouillies. Hein. Je sais pas s'il a une couleur de base, viens voir ça donne quoi. Qu'est-ce que c'est sa couleur qu'on lui met dès le début. Oh, elle est peut-être pas trop mal. Je l'ai pas pris comme ça, elle est pas trop mal. Allez, vas-y, on va tester. On va tester. Donc, je disais qu'il fallait que je compare. Alors, je l'ai déjà fait hors vidéo parce que j'avais oublié. Les pneus du Step 310 sont des pneus 42 pouces comparés au Loadstar qui a des pneus. C'est juste pour t'emmerder. Des pneus 45 pouces. Il a 3 pouces de plus que le Step. Et les KRS et Anc ont des pneus. Si j'arrive à arrêter de laguer pendant 25 années, ça serait bien. Les Anc et KRS, ils sont où? Anc, il y a des pneus 51 pouces. Et on a aussi carrément les Actaeon et Warthog qui ont des 47. Qu'est-ce que c'est long, je mets tellement de temps à changer, j'oublie déjà ce que je suis en train de dire. Qui ont des pneus 47 pouces. Ce qui fait que les plus petits sont les Step avec 42 pouces. Ensuite, le Loadstar 45, Acteon Warthog 47 et KRS et Anc 51 pouces. C'est assez curieux. C'est assez curieux cette organisation-là, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un... On va reprendre peut-être justement, je l'avais testé et enlevé. On va peut-être lui mettre quand même finalement le kit d'élévation pour le tester avec des pneus plus gros. Vu qu'il faut cela pour la kit d'élévation pour avoir les 52 pouces. Alors je sais pas, on va regarder vite fait la différence que ça a visuellement. Ça va pas être énorme. Hein. À montagne labyrinthique vers le contrat spécimen rare, d'accord. Alors d'accord, j'ai les... Ouais, ok. Ouais, bon, c'est que 2 pouces, hein, mais... non, garde-les, parce que c'est vrai que si je remets le kit, ça permettra d'enlever le kit directement. Ok, ça... Alors, si je peux custom mon véhicule comme je veux. Ouais, bof. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui met un autre skin peut-être? Bon, de toute façon, ça va juste peut-être pour l'utiliser vite fait. Pourquoi pas un skin désert, allez hop. Ça, et puis ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire, il n'y a pas besoin de plus, je crois. Il n'y a pas du tout d'exigence. Donc ça, c'est ok. Il faut que je parte, que je vérifie avant de faire une connerie. Alors visiblement, il y a deux points qui sont à côté du campement là. La patrouille de la rivière. Prendre une première photo, prendre une deuxième photo, prendre une photo du campement, et puis explorer la zone. Ouais, elle est pas loin d'être explorée, ça me saoule. Donc ok, donc bah c'est tout de ce côté-là en fait, hein. Donc il faut que je parte de ce campement-là, du sud-ouest. Ok. Bah va pour le sud-ouest. Sud-ouest. Ah c'est celui qui est tout au-dessus le sud-ouest. Hein. C'est tout bon. Eh bah vas-y, c'est parti. C'est celui qui est tout au-dessus de la montagne que j'ai galéré à aller chercher, il me semble. Donc pour descendre, ça va être galère, surtout en Marshall. Hein. Donc tu as ce calepin-là avec des trucs. Ok, bah j'irai voir. J'essaierai d'y penser peut-être à la fin du stream, j'irai voir ton truc. Je sais pas si j'en ai pour longtemps. J'ai l'impression que ça lui va un peu mieux les pneus ronds, je sais pas lui. Je sais pas si c'est SnowRunner qui m'a mis ça en tête ou quoi, mais je sais pas, j'aime bien avec les pneus ronds en fait. J'aime plutôt bien. Alors, qu'est-ce que tu veux que je prenne? Le canyon? Ouais.
Quel bel arbre. Quel bel arbre. La photo est pas terrible, mais quel bel arbre. Magnifique. Bon, bah, puisqu'il me faudra une photo de miniature, faut pas que j'oublie. On va en prendre une, là le véhicule a fait 3 mètres, il est pas pété. Parce que ça va pas durer, hein. Ça va pas durer du tout. En plus, il y a l'arbre sur la photo, ça peut être impec. Oh, on a encore une vue quand même assez folle et je pense que c'est pas la meilleure. Voilà. Wow, l'arbre qui est là-bas au fond, il est massif. Alors, ensuite. Deuxième point qui est en bas. Alors, comment qu'on descend? Visiblement, tout est étiqueté par là. Enfin, tout est découvert. Donc, il va falloir que j'aille là-bas. Par ici. Peut-être redescendre tout en bas. Ça devrait être possible de remonter. Ou peut-être de passer là. Eh ben, c'est parti. Ah, je sais pas. J'aime bien les pneus ronds sur lui, quand même. Ça va pas si mal. Les pneus carrés, ça lui va peut-être pas super bien. Pas ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt bien les pneus ronds sur lui. Je sais pas si c'est SnowRunner qui m'a un petit peu habitué à ce côté là, mais autant je trouve ça va pas du tout au Yard, qui lui, les pneus carrés lui vont super bien et c'est tellement cool de les avoir. Mais alors lui, je sais pas, peut-être qu'il y a la roue de secours aussi, peut-être qu'il m'influe là-dessus, mais... Oh putain de merde. Oh. Je crois que ça a touché, hein. Wow. Je m'enfonce. Je m'enfonce. Ah, c'est ici que j'étais venu chercher le truc. Oh putain. Au secours. Je me suis planté. Ah lui, les pneus carrés, ça lui va par contre tellement mieux que les pneus ronds. C'est... Oh la vache. Je me rappelais plus qu'il y avait un creux, je l'ai pas vu. C'est là que j'ai été coincé pendant je sais pas combien de temps avec la Côte-Co, je crois. Et que j'ai dû venir la chercher. Allez, viens, mon pote. Aïe. Aïe. Tu t'es bien défoncé, hein. Et j'ai encore pété le pare-choc avant. Ah, un peu moins que l'autre fois. Ça dépasse un peu moins le truc vert, rouge. Chouette. Alors, il faut que je passe où? Plutôt à droite, hein, ouais. What? 3 dans le moteur? Parce que quoi? J'ai fait une rayure sur le pare-choc? Sans déconner. Y a pas que la moquette qui fume des fois le jeu, hein. Ok. Allez, on descend gentiment. Pardon. Putain, le jeu a décidé de me défoncer de partout. Ça y est, dépasse le truc rouge. Ça y est. Ah putain. Ça va que j'ai déjà pris des belles photos avec le véhicule, nickel. Bon, c'est l'avant, ça se voit pas trop, mais l'arrière aussi est pété, visiblement. J'ai réussi à péter l'arrière gauche, je crois, on dirait. Je sais pas trop avec quoi, mais non. Non, peut-être pas. J'ai quand même une nette préférence pour l'Arizona, et je crois que je sais pourquoi maintenant. Je trouve que c'est plus technique. Les Carpates, c'est beaucoup plus... tu passes n'importe où. T'es quand même assez rarement coincé, j'ai l'impression. Un petit peu, mais rare. Là, ici, si tu passes pas, tu passes pas, quoi. C'est des creux, des crevasses, des énormes falaises et tout. Et ça demande un peu plus de recherche de chemin, de technique et tout. Et je trouve ça plus sympa. Bon, là, par contre, ça va être moins sympa parce que je vais me péter la gueule. Ça me paraît clair et net. Ah d'accord, il y avait un chemin nickel à droite et en fait j'y suis pas allé.
Tout va bien, nickel. C'est moi, c'est normal. Il y avait le chemin nickel par là. Et moi, je continue de me taper les... C'est pas grave, c'est pour le beau geste. Alors, hop. Ah, il y a des fois il passe devant et des fois il reste derrière, c'est bien ça. Comme ça, ça pourrait faire une jolie photo. Putain, il veut pas reculer le truc. Ah. D'accord. Voilà, il faut que je le fasse basculer en arrière, ok. Ok, d'accord. Faut que je le fasse basculer en arrière pour pouvoir que le bidon retourne derrière le pare-choc, c'est... Ah, ça fait une chouette photo, hein, quand même. Ah, ouais, ouais, c'est chouette, hein. Ouais, très, très chouette, hein. Et le panorama, ça donne quoi? Que dalle. Ah, le panorama, par contre, c'est vraiment les arbres qu'il faut prendre. J'ai eu peut-être comme ça, c'est pas mal aussi. Allez, hop, ça dégage. Alors, photo. Faut prendre le piaf. Non, c'est l'arbre d'en bas, c'est ça. Ouais, voilà. Je sais pas ce qui... Je sais pas ce que vous avez avec les arbres, là, dans cette mission, mais... Paysage de l'Arizona. Ok. Non, mais c'est cool, hein. C'est cool, il n'y a pas grand-chose à voir, mais pourquoi pas. Ensuite. Maintenant que je suis descendu. Alors ça, oui, c'est prenable. C'est prenable. Ça, c'est prenable aussi. Parce qu'il va me falloir éventuellement un petit poil d'essence. Donc il faudrait que j'arrive à redescendre donc par là. À passer là-bas. Monter là. Alors c'est ici que j'ai eu un léger accident, je crois. Hein. Non, c'était pas ici que j'ai eu un léger accident. Non, c'était encore plus loin peut-être. Que j'ai dévalé quelques hauteurs. Je sais plus. Il y avait un coin comme ça. Ensuite on reviendra par là. On ira là. Là, ah bah c'est peut-être plus dans ce coin là. Non, bah non, c'est le non, c'est le coin que je connais ça. Je crois que je suis obligé de passer, non je sais plus. On verra. Après on reviendra par là. Hop. Et puis après il faudra explorer la zone, donc je vais passer peut-être pas loin de ça et puis on verra. Allez, c'est parti. On redescend. Ah, il me plaît vraiment bien le Marshall comme ça. Hein. Je le préfère vraiment avec les pneus ronds. Vraiment, vraiment. Je sais pas, l'efficacité, je crois qu'ils sont moins bons. Au niveau des stats, mais... pas de beaucoup, et puis... le jeu, de toute façon, est assez généreux au niveau de ça, donc... Vitesse où il trace alors qu'il a le moteur de base. C'est une Porsche le machin. Faut le réduire les gars. Ils le font d'une puissance le véhicule alors que c'est pas ce qu'on veut quoi. On veut pas un véhicule surpuissant, mais un véhicule sympa à conduire. Et dans Snow c'est pareil, c'est aussi une balle le machin. Tu le retiens pas, aide-moi ça comment il lève. Tu veux pas, bon bah monte pas, qu'est-ce que je te dise. Monte ou monte pas, mais décide-toi. Oh, même là, il y a... Ah, il a bien consommé quand même. Hein. Même là, hein. Même là, il y a photo quand même. Ah là là, c'est chouette. Hein. Très très chouette. Dommage, le pare-choc pété. Allez, c'est pas grave, on se casse. Hop, petite marche arrière. Alors, pas dans l'arbre,
Bah si, dans l'arbre. Hein. Bah, où veux-tu que j'aille? Dans l'arbre, évidemment. Mais tu vas le lâcher, cet arbre? Qu'est-ce qui t'a fait? Il doit du pognon ou quoi? Ah, puis alors là, ça pue. Hein. Ça va, ça passe, ça passe. C'était risqué, j'aurais pas dû forcer. Là, j'aurais pu m'en prendre qu'à moi-même. Il lève le machin. Mais... Il est vraiment énervé de Marshall. Puis alors la coloration des pneus quand même, ça c'est... C'est tellement classe. Faudrait que je regarde SnowRunner, ça c'est ça que je voulais peut-être voir sur les images. C'est ce que dans Snow, les pneus se colorent comme ça? Je crois pas. Hein. J'en ai pas souvenir ou je sais pas, c'est peut-être parce qu'on fait que de la boue, j'en sais rien. Les pneus deviennent sales, mais peut-être pas à ce point. Hein. Ah, je le kiffe bien le Marshall maintenant, ça y est. Faut dire, là, il est bardé d'essence. Les pneus sont plutôt stylés. Bon, par contre, il va continuer de se cracher H24, mais... On s'y fait quand même au véhicule un peu mauvais, peut-être par défi aussi. Ah, le truc qui est jusque là-bas, j'ai encore de la place. Ouais, j'ai encore de la place. Ah, et c'est plus pour le défi en même temps de conduire le véhicule. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Dans des environnements pourris. Merde, c'était ici. Ah ouais, je trouve qu'il a tellement de gueule avec les pneus ronds, finalement. Faut dire, les skins sont... Le skin est cool. Hein. Le skin est très, très cool comme ça. Ça lui donne un style vraiment sympa. Hop, ouais, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Je suis vraiment venu pour que dalle, moi. Ah, la question, bah je me suis déjà mis des points, donc je passais par là. Bon, bah, je passe par là, bah vas-y. Si j'ai déjà mis des points, on va suivre. Bon, là, je commence à pas mal le connaître, vu que je suis venu chercher pas mal de trucs, et puis le KRS. Pas mal de drops. Voilà, mâche. Oh, j'ai pas le temps de me mettre... Non, la position que je voulais, ça passe. Alors, monter. Ah oui, monter, ça m'emmène direct là. Alors, si je pouvais foutre un petit coup de drone à gauche, là, en passant, au milieu des marches, ça serait pas mal. Des fois qu'ils veuillent que je débloque vraiment toute la zone, au millimètre près, ça serait fait. Oh la vache, mais comment il glisse ce véhicule, c'est un délire. C'est un délire comment il arrive à pivoter sur lui-même. Par contre, surtout, ne recule pas en descente. Hein. Non, non. Ça, je suis obligé d'accélérer comme une brute parce que tu veux pas accélérer. Faire une manœuvre et t'as deux doigts de me casser la gueule. Voilà, dans ce genre-là. Dans ce genre-là. Allez, monte. Merci. Hop, petit coup de drone en speed. Voilà, ça c'est exploré. Donc je vais au point là-bas et après j'explore ce petit bout là, je crois. Et puis on sera bon. C'est parti. Oula, 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 oula. Plutôt, ouais, bof. À droite. Allez, à droite.
Salut Hudson, le Marshall est bon, mais il n'aime pas les rochers, la suspension est assez rigide, j'ai l'impression. Ouais, puis il est assez léger aussi. Il est assez léger. Mais je sais pas, j'adore sa gueule quand même. Alors surtout avec ces pneus-là, maintenant je suis amoureux de lui, maintenant qu'il a les pneus comme ça. Je les trouve vraiment super stylés. Je les trouve mieux que les carrés, pourtant les carrés je les kiffe. Je veux les mêmes, mais dans SnowRunner. Non, sur le Yar. Alors je crois que je vais utiliser un vérin parce que ça me casse les couilles. Bon, peut-être un crochet plutôt. Ah, j'ai pas envie de ramener un autre véhicule là, c'est bon. Ah, j'ai pas envie de ramener un autre véhicule. Pour une fois, je vais jouer le jeu du truc. Hein. J'en utilise jamais des machins. Je fais quasiment tout le jeu sans. Donc un, je pense que je peux en utiliser un de temps en temps. J'en ai largement le droit à mon avis. J'en ai vraiment pas abusé dans ma partie moi. Au contraire, j'ai été con jusqu'au bout et quasiment jamais en utiliser alors que des fois ça aurait pu être utile. Pour me sauver de ma mise. Allez, tu sautes. Wouhou. Oh, le petit saut est excellent. Ah, il était excellent. Plaît-il? Je dois aller là-haut. Vous vous faites chier, là. Je dois aller là-haut, sans déconner, pour faire quoi? Pour prendre le volcan? Sans déconner, vous avez mis le point ici. Hop. Le volcan, c'est ça? Non, pourtant il est chouette le volcan. Ah, du campement scientifique, j'avais pas lu au-dessus, merde. Voilà. Eh ben voilà, campement des scientifiques. Bon, c'était vraiment peut-être pas la peine de monter ici en véhicule. Hein, mais voilà. 14 600 balles, hop. Bon, c'est pas grave, le crochet m'est revenu à moins cher. Je suis pas à 300 balles près, je crois. Ça devrait le faire. Alors, attends, garde ton frein à main. Hop. Allez. Ah bah, allez, mon pote. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah, voilà. Non, mais oh. Dis quoi encore? Tu vas me dire que t'arrivais pas à monter, sans déconner? Allez. Petite marche arrière. Oh, il est descendu trop bas. Mais qu'il est con. Ouais, c'est pas hyper pratique. Il veut vraiment pas. Les pneus, ils adhèrent que dalle hein, sur le pied, sur les pierres. Oh, c'est un délire. Là. Ouais, une petite photo du campement depuis ici. Bon, pas changé grand chose, hein, mais. Tant qu'on y est, allez hop, on va pas s'emmerder. Avec un beau petit Marshall devant. Bon, je suis pas dans un endroit super cool pour. Ouais, pourquoi pas, allez hop. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, c'est. Zip! Le volcan. C'est pas le meilleur point de vue, surtout qu'on n'arrive pas trop à voir les cailloux, tout ça, à quoi ça ressemble. Mais pour la vache. Oh là là, ce rocher. Cette zone rocheuse, elle est dingue quand même. Bon, c'est dommage, c'est que ça sert vraiment à rien. Hein. C'est expédition. Hein. Ça ne sert à rien. Mais c'est le jeu, quoi. C'est le jeu, c'est l'exploration, c'est la découverte, c'est visiter des trucs et tout. C'est. C'est impressionnant. Bah ça c'est bon, je crois que j'avais rien d'autre à regarder, hein. On est ok. Les drops, bon j'en ai fait, on s'en fout, hein. On va pas en faire 300. Il y a un drop là, non de la merde. Un drop là, de la merde aussi, allez hop, on quitte. On est bon, revenir au QG. Et puis voilà. 16 minutes l'expédition, il y en a vraiment qui sont très très courtes. Hein. Il y en a vraiment des très courtes. Et bah écoutez, on va se quitter pour cette vidéo ici.